a indiqué l'agence de presse MENA, précisant que 17 personnes étaient présumées à bord. Selon le gouverneur de la province, le bateau navigue sans licence et n'était pas de normes pour accueillir les passagers. C'était la dernière info de cette édition avant de quitter le rappel. Résolution pour Burkina Faso, le chef de l'État promet de redresser toutes les failles du gouvernement dans un message à la nation pour le nouvel an. Pour contre la montre en ligne, le président de l'ONU, Martin Kobler, doit coordonner la France.